Bienvenue dans Qu'est-ce que tu lis? Aujourd'hui, nous allons vous présenter le livre PPQ Vert, détective privé. Peux-tu nous expliquer ce que raconte ce livre? Ce livre raconte l'histoire de collégiens qui partent en voyage scolaire et mènent une enquête. Une fois sur place, ils se rendent compte qu'il y a des gens mal intentionnés qui semblent gentils, et l'inverse. As-tu aimé cette histoire et pourquoi? J'ai aimé cette histoire car elle est drôle et stressante en même temps. Et j'aime bien les enquêtes. Qu'y a-t-il de particulier dans ce livre? Ce livre est particulier car les enquêtes sont menées par des enfants pour une fois et non par des adultes. Et de plus, les enquêtes se déroulent dans des pays étrangers. Donc on découvre des coutumes et des habitudes d'autres pays qu'on ne connaît pas. Choisis un passage qui t'a marqué dans le livre et lis-le-nous. Dans ce livre, le passage qui m'a marqué. Je dormais d'un sommeil profond quand un pressentiment m'assaillit. Il y avait quelqu'un dans ma chambre. J'ouvris les yeux et les refermais aussitôt. Suspendu comme un masque au-dessus de mon visage, Nassir m'examinait, fondu d'un étrange sourire inexpressif. Le thé, prononça-t-il de sa voix rauque, qui me fit geler les sangs. J'ai trouvé ce passage à la page 33 de mon livre. Pourquoi as-tu choisi ce passage? J'ai choisi ce passage car il est stressant et on ne sait pas ce qui va arriver au personnage. Recommanderais-tu ce livre à tes camarades? Oui. Et pourquoi? Je recommanderais ce livre car il est intéressant et on apprend beaucoup de choses sur les autres pays et sur la façon rigolote de Pierre-Paul de mener les enquêtes. Et voilà, cette émission Qu'est-ce que tu lis est terminée. Vous pouvez vous abonner ou mettre des commentaires. Ou laisser un pouce bleu. Au revoir! Bye bye! Bye bye!